Good morgen, allez, Yiden les tuches aujourd'hui, le Lonishma Traesser, Bat Miriam Yaakov, Ben Levana et Yosef, Akab, et Robert Baruch, Ben Jamil Tarab. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah Contact 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Eruvin, Perek Chet, Mishnah Bet, Kamahu Shiro, Mazon, Shte Seudot, Lekol Echad. Maison dans la chol, velo le Shabbat, Divrei Rabbi Meir, Rabbi Uda Omer, le Shabbat, velo la chol. C'est pas Zemit Kavni Melakel. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Mikikar be pundion me arba sein besela. Rabbi Shimon Omer, Shte yadot le kikar, mi shalosh le kav. Chetsia le bet aminuga, vechatsi chetsia, lifsol et ha gavia. On continue à parler dans notre Mishnah du Eruvei Trumin, comment le faire, quel type d'aliment choisir, quelle quantité d'aliments choisir. C'est un peu le. Et on a la Mishnah qui commence à me dire comme ça, Kamaishiuro. Quelle est la quantité de pain à prendre lorsqu'on va faire un Eruv Trumin? La Mishnah me dit, Mazon shte seudot lekol echad. Prendre la quantité de deux repas pour chacun. Soit on est en train de parler de Eruv Trumin, il ne suffit pas de mettre, par rapport à la différence de Eruv et Chatzerot, où là-bas on prenait deux pains, on prenait la quantité jusqu'à deux pains, de deux repas pour toute la cour. Là, il faut l'école Echad. C'est-à-dire, si je veux, moi et mon voisin, on veut partir à 2000 amas supplémentaires en direction du nord, eh bien, il faut qu'on mette deux fois deux repas. D'accord? Maintenant, donc, la quantité de deux repas. Maintenant, la quantité de repas, la quantité de pain de deux repas. Et on va voir maintenant dans notre Mishnah, quelle quantité exactement de pain? Alors la Mishnah me dit comme ça, Maison dans les chol velo les Shabbat. Je traduis d'abord, après j'explique la différence. Maison dans les chol velo les Shabbat, la quantité d'un repas en jour de semaine, en chol, jour profane, velo les Shabbat, mais pas la quantité de pain du Shabbat. Divrei Rabbi Meir, t'as la vie de Rabbi Meir, tandis que Rabbi Yehuda dit le contraire. Non, Rabbi Yehuda Omer, les Shabbat velo la chol, la quantité de pain requise pour le que tu manges à Shabbat et pas en jour de semaine. Vezé, vazé, mitkavnim, la laquelle, en fait, tous les deux ont l'intention de te donner la plus petite mesure. Soit, je t'ai demandé de laisser deux repas. Deux repas, parce que Shabbat, on mange au moins deux parmi trois repas. Deux repas encore plus essentiels, au moins strict minimum, un le soir, un le matin. Même si le Seuda Shlishit, c'est aussi une mitzvah, mais en tout cas, il faut se forcer encore plus sur deux repas, c'est la plus grande mitzvah. Et donc, du coup, je te demande de faire deux repas. Mais maintenant, ça n'a pas la peine de devenir fou, de prendre une énorme quantité de repas. Tu prends le minimum de ce qui s'appelle un repas. Et sur ça, on a une discussion intéressante. À votre avis, Shabbat, on mange plus, on mange moins. Moi, personnellement, je mange plus à chaque repas. Bien, donc, on tient la halakha comme Rabbi Meir. C'est la discussion qu'ils ont. Selon Rabbi Meir, il te dit Shabbat, tu manges plus, donc prends la quantité de pain que tu manges en chol. Je te demande de mettre deux repas, mais je ne sais pas comment faire deux repas extraordinaires. Deux choses qui peuvent s'appeler deux repas, donc la quantité de pain de semaine. Rabbi Yehuda dit le contraire. Il dit que le Shabbat, c'est pas que le Shabbat, on mange moins. C'est que le Shabbat, comme tu dois faire trois repas. Tu as aussi la Seuda Shlishit à manger l'après-midi. Donc tu te retiens de trop manger, parce qu'il va falloir tout faire rentrer tout ça, et vous imaginez, surtout dans le Shabbat d'hiver, imaginez qu'un qui douche le Shabbat matin à la synagogue, et vous avez un premier qui douche, une heure après vous faites le repas de midi, deux heures après vous faites déjà la soude de Shlishit, ça remplit trop. Donc naturellement, chacun va se mettre à manger un petit peu moins, comme ça il a plus de place pour manger. Ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. En fait, l'un comme l'autre, ils ont l'intention de donner une mesure plus allégée. Si son Rabbi Yehuda, on mange moins de pain le Shabbat, et ben tu prends la quantité de pain du Shabbat. Le Rabbi Meir, on mange moins de pain en semaine, donc tu prends la quantité de pain de semaine. Et maintenant, on continue la Mishnah avec encore deux autres avis qui vont me donner la taille du pain. Cette fois-ci, on va avoir deux mesures. Il va falloir faire de la gymnastique pour comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire, très simplement. Et puis après, à la fin du cours, on proposera à Bezat Hashem d'expliquer un petit peu mieux comment on arrive à ces calculs. Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Selon Rabbi Yochanan ben Broka, il me dit non, Mikikar Bepundion. Il faut que tu prennes la quantité de pain qu'on achète à un pundion, qui était une mesure d'époque. Quand mes arba se'in besela, quand 4 se'a coûte un se'la. Soit, selon le cours du blé, de la farine, ou quand tu vas acheter 4 se'a, ça va, tu vas payer une pièce de 1 se'la. Et bien, selon ce cours-là, lorsque le boulanger va partir acheter de la farine et va fabriquer des pains, le pain qui va te vendre à un pundion, selon un calcul qu'on expliquera ensuite, le pain qui va te vendre à un pundion, ce sera ça, le pain que je t'ai demandé de laisser pour les rouves, et ça fait l'équivalent, comme il nous dit le partenaire en deux mots, shesh betim, l'équivalent de 6 œufs. On fera le calcul après la Mishnah,
Sachez que c'est la deuxième fois que je fais le cours. Hier soir, je l'ai fait, et puis je me suis embrouillé dans les calculs. J'espère qu'aujourd'hui, je serai plus clair. Bezrat Hashem. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon enseigne, non. Si tu prends pas un pain de 6 œufs, mais il va te donner une mesure. Shteyadot, la kikar, deux parts de points. Deux parmi trois. Quand je te dis deux yadot, ça veut dire deux parmi trois. Trois yadot, ça veut dire trois parmi quatre. Quatre yadot, ça veut dire quatre parmi cinq. Tu rajoutes toujours un au dénominateur. D'accord? Donc tu fais deux sur trois. Donc deux tiers de un pain. Shtei yadot le kikar, deux tiers d'un pain. Quand mishalosh le kav, lorsqu'avec un kav de farine, on réussit à faire trois pains. Donc un tiers de kav. Si vous vous rappelez déjà ça, on peut le calculer très facilement, c'est très simple. Escalave goudo, vous vous rappelez de ça? On l'a déjà répété plusieurs fois. Escalave, c'est un moyen mnémotechnique. Eifa, CA, cave, log, beitza. Escalave. Esclave, en français. Escalave et goudo, c'est les coefficients. Guimel, vav, dalet, vav, 3, 6, 4, 6. Donc en fait, si on a un, c'est là. Un, plutôt un cave, c'est lui. Escalave, donc c'est cave, log, beitza. On a dalet, vav, ça fait 24. D'accord? Donc on a maintenant que dans un cave, on a 24 œufs. Je te dis maintenant, tu fais 3 pains. Tu fais 3 pains avec un cave. Donc avec 24, ça va faire 8. Et je te demande de prendre 2 tiers de 8. Et 2 tiers de 8, tu vas arriver ainsi à la quantité de. Je l'avais souligné, où est-ce qu'il est? Je t'ai dit, il est où? Je le trouve plus. Mais c'est pas grave. Faites 2 tiers de 8. Mais Maed Bashiur, Sheda il a rêve, Bishte Yadot Shal Kikar, Shal Shalosh Kikarot les caves. Bishte Yadot, Hashem Chamesh Betzim Yoter, ça j'ai retrouvé. 5 et un peu plus. Ok? Tu prends 8 et tu le divises par. D'accord, ça fait 5,66, logiquement. Et non, je me suis trompé. D'accord, 5 et un peu plus. Ok? On est sur ça. Un peu plus que 5 œufs de taille. Alors que Tanakama, il a dit de prendre 6 œufs. Et je continue maintenant, c'est-à-dire pour retenez bien, parce que c'est important pour la suite de la Mishnah. Selon Rabbi Shimon, un pain fait 8 œufs. Seulement pour le Hérouv, je ne te demande pas de prendre un pain de 8 œufs, je te demande de prendre juste 2 tiers d'un pain. D'accord? 2 tiers d'un pain uniquement. Tandis que selon le Rabbi Hanan ben Nouri, un pain fait 6 œufs, et je te demande de prendre un pain entier. D'accord? Il y a une petite différence. Pour le Rouvre, Rabbi Shimon, il est plus Mekel, mais concrètement, pour la taille du pain, hein, il demande, quand on va calculer avec le pain pour la suite de la Mishnah, il va falloir prendre un pain toujours plus grand. Ok? Donc, pour le moment, on a maintenant 4 mesures de pain. On a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui nous ont dit, je prends chacun selon ce qu'il a l'habitude de manger. Si toi, tu es au régime, tu manges juste 2 tranches de pain, toi, c'est 2 tranches de pain. Le Shabbat, tu manges plus, tu prends la quantité minimale parmi la semaine de le pain. Ça, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Hanan ben Nouri, pardon, tu prends un pain de 6 œufs, et selon Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, tu prends 2 tiers d'un pain de 8. De 8 œufs. 2 tiers d'un pain de 8 œufs, d'accord? Et je continue. On a maintenant, la Mishnah continue en disant, puisqu'on te parle maintenant des quantités de pain, hein, une taille d'un pain, sache que Chetzia le Bet Amenuga, la moitié d'un pain pour le Bet Amenuga, celui qui rentre dans une maison où il y a de la lèpre sur les murs, lorsqu'on rentre dans la maison, on devient impur. Si on reste longtemps dans la maison, le temps de manger un pain, qui est en fait la moitié d'un pain, la moitié d'un pain, de la mesure qu'on a évoquée auparavant, eh bien, on devient impur au point que les habits aussi deviennent impurs, et il va falloir tremper aussi les habits au miguet. C'est-à-dire, si je rentre juste 3 secondes, 2 minutes, 1 minute même, je rentre 1 minute et je ressors, moi je suis devenu impur, mais mes habits ne sont pas impurs, moi je me trempe au miguet, j'attends le soir et je deviens propre. Mais si je reste le temps de manger un pain, donc avec un demi-pain, avec la mesure qu'on a dit, soit un pain de 8 œufs ou de 6 œufs, selon Rabbi Shimon, Rabbi Hanan ben Nouri, eh bien, Ben Broka, alors dans ce cas-là, même mes habits deviennent impurs, il faudra poser les vêtements au mikvé. Vechatzi et encore une autre mesure de loi de pureté, la moitié de la moitié, donc le quart de ce pain, soit s'il fait 8, ça va faire 2, soit, et s'il fait 6, alors ça va faire 1,5, c'est l'ifsol atagavia pour manger la quantité de pain qui va me rendre impur. Là, on est dans la lachot de. En rapport avec ce qu'on les avait appris en Shabbat, dans les Shmona Sardvarim, les 18 décrets qu'il y avait eu, peu importe, très, très succinctement, lorsque je mange un aliment impur, je ne deviens pas impur. Pour devenir impur, il faut que je touche nécessairement un Sheretz, une personne impure, il y a des halakhot, mais toucher un aliment impur, ça ne me rend pas impur. Rami m'ont fait un décret malgré tout,
Mais un aliment impur, il peut rendre un autre aliment impur selon des règles. Pour maintenant, donc, un aliment impur, si je le mange, je reste pur. Malgré tout, Ravim nous ont fait un écrit que si je mange une grande quantité, qui est justement le quart du pain, donc soit un pain de 8, soit un pain de 6, donc 1,5 ou 2 œufs, une taille de 2 œufs, eh bien, dans ce cas-là, tu deviens toi-même impur et tu vas devoir te tremper au mikvé. D'accord? C'est la quantité qui a été évoquée. Et là, en fait, on aura la même arloquette de Rabbi Hanan et Rabbi Shimon selon le pain de chacun. Voilà pour la Mishnah. J'ai une petite dette avec vous. C'est de faire très rapidement, Bezrat Hashem, le calcul de Rabbi Yohanan ben Broka. Comment est-ce qu'il arrive avec un kikar qui coûte un poundion avec 4 CA Bessela. On explique un petit peu mieux qu'est-ce que ça veut dire. On parle en fait. Pardon. On parle que il y a un. Que le boulanger, comprenez, un truc très simple. Le boulanger, il va l'acheter de la farine. Il va acheter une quantité de farine, il va faire des petits pains, il va vendre les pains. Vous imaginez bien qu'il ne va pas vendre le pain au prix qu'il a payé. Sinon, il travaille gratuitement, monsieur. Il va prendre deux fois plus. Le prix, deux fois plus de farine. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il va partir payer avec 4 CA, 1 CELA, 4 CA, 1 CELA, eh bien, hein, il va vendre les 4... En fait, il va fabriquer des pains. Et lorsqu'il va fabriquer des pains, il va vendre les 4 CA pour 2 CELA. D'accord? C'est son bénéfice pour payer les frais de tous les frais de bois et tout ça, et puis on garde un petit peu dans la poche pour lui, parce qu'il a travaillé. D'accord? Si on fait le calcul, alors on va faire un calcul de la sorte qu'on va arriver que maintenant, un kikar de 1 poundion, il va faire la moitié d'un cave, en fait. Voilà, ça, c'est si je le dis sans vous prendre la tête avec les calculs. Maintenant, si vous voulez, on va rentrer maintenant dans le calcul, c'est pas la fin du monde, ça va aller, Bezrat Hashem, il va falloir faire deux conversions. Deux conversions, d'abord traduire la CA en cave, c'est important. Donc on a escalave, EFA CA cave, CA cave. CA cave, on a 6. Dans une CA, il y a 6 caves. D'accord? Donc dans 6, dans 4 CA, la Mishnah nous dit qu'il y a 4 CA, on va avoir ces 24 caves pour le prix de 1 CELA. Pour le prix de 1 CELA. Maintenant, les mesures de 1 CELA de pièces, alors là, c'est un autre moyen mnémotechnique qu'on avait créé, c'était le Sadam Podovev. Vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose? Sadam, Sela, Dinar, Ma'a, Pundion, c'est lui qui m'intéresse, et Issa, Sadam pose avec un Aleph, et Dovev. Donc maintenant, on va s'intéresser au premier et au dernier, c'est le Sela et le Pundion. On a Dalet, Vav, Vet. Dalet, Vav, ça fait 6 fois 4, 24. 24 fois 2, 48. Un Sela, ça fait 48 Pundion. Ok? Donc en fait, il s'avère qu'il achète 24 caves, donc 24, 48 demi-caves, pour un poundion en fait. Pour 48 demi-caves pour 48 poundion. Donc un demi-cave pour un poundion. Ça y est, on y est arrivé. Un demi-cave pour un poundion, c'est le prix qu'il a payé, en gros, la farine, avant de travailler. Lui, il va vous vendre un quart de cave pour un poundion. Alors maintenant, on revient sur l'autre moyen technique. Escalav gudo, effacé à cave log beitza. Cave log beitza. Dans un cave, il y a combien de beitza? Do, 6 fois 4, 24. Dans un cave, il y a 24 beitza. Dans un demi-cave, il y a 12 beitza. Et la moitié, ça vous fait 6 beitza. Et le compte est bon, et je suis bien content d'avoir réussi à le faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv.